Hop. Ouais. Montgomery Fox and the Case of the Diamond Necklace. Le jeu il est en anglais. Donc ça, si ça va me permettre d'apprendre avec quelqu'un en anglais. Ah oui, je l'ai dans les cartes. Hop. T'as une trop petite oreille, il arrive pas à tenir le truc. Ouais. T'es pas gentil. Allez, c'est parti. Ouais, pousse-toi. Putain, toi. Attends. Alors, je crois qu'on peut. On peut s'éteindre. Ah. Ok. Ah, fais voir la DualSense. Voir ta manette. C'est la mienne. Hein. Ah, je sais pas si on va jouer chacun son tour ou si on va pouvoir jouer à deux. On va voir ça. Jouer deux. Oui, mais c'est bien. On va faire ce qu'on peut. J'ai pas deux DualSense. J'ai une vieille manette et une nouvelle manette. Si je fais Nino. On va faire Célia. Tac. Hop. Ah okay. Oh, ouais. Ok. Controls, play. On va faire play. Donc là, il dit que le ventilateur dans son bureau, il tournait, mais il n'arrivait pas à se rafraîchir. Les dernières semaines dans la ville sont devenues si chaudes que même mes amis de l'autre côté de la loi, donc même les bandits, parce que lui c'est un inspecteur, donc même les bandits avaient arrêté de faire des bêtises, tellement il faisait chaud. Donc il n'y a pas de job pour un détective, voilà, les détectives. Ça devient embêtant. Mais tu comprends tout en anglais. Hein ? Tu comprends tout en anglais. Bah oui. Et il fait de plus en plus chaud. Alors là, il prend un petit rafraîchissement, donc un petit jus, une petite boisson. Mais heureusement, en guise de rafraîchissement, les messieurs de Toad and Toad, donc de Crapaud et Crapaud, c'est eux, hein, les deux qui viennent de rentrer, oui. La compagnie d'assurance, rentrèrent dans mon office comme une petite brise d'air frais. Ils transpiraient, principalement à cause de la chaleur, mais aussi à cause des problèmes qui leur étaient tombés dessus. Ils m'expliquèrent tout. Ok. Bah, tu te poses un peu vers un truc. Bah, tu permets, hein. Un collier très important et plein de diamants a été volé à Lord Raccoon, Lord Raton Laveur. La police n'a pas été capable de trouver le voleur. Donc Toad and Toad, ils risquent de se retrouver sur la paille sans argent. Parce qu'ils ont besoin de payer une grosse somme d'argent à Lord Raton Laveur pour le rembourser du collier. Parce que c'est eux qui ont assuré le collier. Donc ils viennent me voir pour que j'investigue, pour que j'enquête sur leur cas. Messieurs, je dis, à la vue, la vue que j'ai de vous est mieux qu'un verre de limonade glacée, donc j'accepte la mission. Et bientôt, je me retrouvais assis dans un train avec la fenêtre ouverte. Quelques jours dans le countryside seraient super pour moi, donc je vais me reposer. Plus là-bas que je vais travailler, mais après tout, je n'attends pas vraiment de faire face à un gros mystère à propos de ce collier. Ok. Donc lui, il arrive à la gare routière. Meadowbrook Manor. Ok, let's go. Ah, ça joue. Ok. Bon, regarde ce qu'on va faire. On va faire chacun son tour, mais tu vas m'aider. Donc là en bas, tu vois, il y a des objets qui sont décrits en anglais. Lizard, violon. Lizard, c'est un lézard. CD, bah, c'est un CD, hein, tu vois ce que c'est. Et violine, c'est un violon. Okay. Il faut qu'on cherche de partout ces objets-là. Sachant... Violon, on commence par violon. Bah, il faut que tu regardes un petit peu de partout. Et regarde, il faut aussi qu'on trouve ça, là. Un vase comme ça. Et il faut qu'on trouve ça. Une espèce de lentille, de je ne sais quoi. Donc tout ça, c'est dans le... Moi, je cherche lézard, toi, tu cherches violon. Ok. Alors attends, par contre je te dis un truc, tu vois là il y a des petites étincelles. Ça veut dire que je peux cliquer dessus et là je rentre dans une autre pièce où il y a encore des objets. Ok, lézard moi. Alors un lézard. Non, toi tu cherches le lézard, moi le violon. Oui. Ok. Violon, je l'ai là. Hop. Tac.
Lézard, je n'ai pas. Tiens, regarde, tu vois, ils ont remplacé violon par des clubs. Alors, je pense que c'est des clubs de golf, là. Ah, ou non, des trèfles. Des trèfles? Ouais, trèfles, lézard et CD. Attends, on va ressortir, on va voir s'il n'y a pas d'autre chose dehors. Tu cherches lézard. Je cherche le lézard. Moi, je cherche... T'as le CD ou t'as le trèfle? Lézard, j'ai trouvé! Où ça? Ah oui, là. Bien joué. Hop. Donc le lézard, maintenant, il faut retrouver une tasse. Je cherche la tasse. Moi, je cherche les trèfles pour l'instant. Ah si, il est là, le trèfle. Tac. Est-ce que... Là, maintenant, un bouti. Alors, C'est quoi? Alors là, j'en ai aucune idée. Moi, je vois une clé dans l'arbre. T'as une clé dans l'arbre? Ouais, mais on cherche pas la clé. Ouais, mais on cherche une tasse et un CD. Ok, tu cherches le CD, je cherche la tasse. Alors le CD... J'ai vu le CD là, là-haut, là. Ça, là? Là, oui. Non, regarde, ça, c'est la lentille, ça. Bon, alors c'est bien, t'as trouvé la lentille. Hop. Parfait. La lentille, ils l'ont remplacée par... Par rien du tout. Non, okay. Les clubs de golf. On peut non, c'est pas des clubs de golf, c'est des... C'est un trèfle, mais je l'ai déjà trouvé. On cherche... une tasse... CD, on n'a pas fait sur une tasse, c'est le CD. Le CD, je le vois pas. Oui, moi aussi, ça, là, à la fenêtre. Ah, ouais. Ok, donc il remplace CD par. Safety pin. Safety pin. C'est un badge. Qu'est-ce que c'est, safety pin? Un badge qui te dit que t'es sauf. Mais alors, je vois pas ce que c'est. Ça. Rentre dans la pièce de tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura un mug dans cette pièce? Une tasse? Oui. Non, en fait. Safety pin. Qu'est-ce que ça peut être, le safety pin? J'en ai aucune idée. Safety pin et bow tie, je sais pas ce que c'est non plus. Alors, attends, je vais chercher bow tie. Qu'est-ce que c'est? Hop, on va mettre un traducteur ici. Parce que j'en ai aucune idée. Translate. Et quand on aura trouvé suffisamment d'objets dans ce tableau, on aura fini ce tableau, on pourra passer à un autre. Mais alors, on va refaire un truc comme ça? Bah, bien sûr. Oh, mais alors dans le jeu... Ah, t'aimes pas chercher les objets cachés? Mais juste en... Ah, c'est un nœud papillon. Ah, pousse-toi, je l'ai trouvé, là. Ici, là. Pas dans cette pièce, l'autre. Où ça? Là. Ah ouais, bien vu. Ok. Donc maintenant, faut chercher du ketchup. Du ketchup, une tasse... Là. Oh là là, mais t'es trop forte, toi. Bien joué. Ouais. Faut chercher quoi? Maintenant, faut chercher une télécommande. Oh, la télécommande, ça doit être dans la c'est maison. C'est de le... Une télécommande. Moi, j'ai trouvé là-haut, là-haut. Ah, là. Bien joué. Ouais. Là, on cherche un oreiller. Un oreiller. Là, ça, orange, là. Ouais. Je l'avais vu aussi. Un masque. Bon, pas facile. Tac. Mais est-ce que maintenant, c'est moi qui peux appuyer? Ah, tiens. Ouais. Par contre, sur quoi t'appuies pour dire voilà, j'ai trouvé? Bah, là, tu te balades, tu bouges le curseur et quand t'as trouvé, t'appuies sur X. T'as trouvé? Alors, attends. C'est quoi là? Là, on cherche une tasse, le safety pin, je sais pas ce que c'est, et light switch. Light switch. Attends, je sais pas ce que ça veut dire ça. Attends. On va regarder les trucs parce que là, ça va pas du tout. Hein. Safety pin, qu'est-ce que ça veut dire safety pin? Safety pin. Essaye de retenir les mots parce que ça, du coup, c'est le nom. Épingle de sûreté. Essaye la médaille là-haut, là. Essaye la médaille, c'est peut-être ça. Ça m'étonnerait même, c'est une médaille de guerre, ça plutôt. Allez, encore, ouais. Oups. Ah, c'est bien. Vas-y, appuie. Bon, c'est pas ça. Safety. Et pour sortir, je me mets là et ouais, j'appuie. Ouais. Je sors ou pas? Attends, non. Light switch. Qu'est-ce que ça peut être, light switch? Attends, on va essayer light switch. Je sais pas ce que c'est. C'est un interrupteur. Ah, interrupteur de lumière. Je suis bête. C'est un interrupteur de lumière, light switch. C'est quoi, un interrupteur? Bah, c'est le bouton avec lequel t'éteins une lumière. Ressort parce que c'est peut-être dehors ça. J'ai pas l'impression de le voir à l'intérieur. Est-ce qu'on a un interrupteur quelque part? Ah oui, là. À la fenêtre, là. Où ça? Ah oui. Allez, clique. Ah. Là, oui. Là, il faut une... Tu sais, les clés à molette. Ah oui, là-haut. Non, ça, c'est une clé. Non, une clé à molette, c'est les clés avec lesquelles tu enlèves les boulons, hein, tu sais. Non. Tu sais pas? Non.
Ça fait un, ça veut dire quoi? Ça fait un pain là. Si tu dis safety pin, je sais pas trop. Hein. Je sais pas exactement ce que c'est. Je vais peut-être comprendre quand je vais tomber dessus, mais là pour l'instant je vois pas. Safety pin. Le vase là. Cherche le vase, toi. Il faut qu'on trouve aussi ce vase. Je le vois là, mais je te laisse le trouver. Bah oui, moi je vois toutes les livres. Ah bah voilà, voilà. Alors, la tasse, elle est où, Célia? Tu vois une tasse, toi? Oui. C'est vrai? Ça, là, peut-être. Non, c'est du parfum, ça. On rentre dans la pièce de tasse. Attends, je cherche une dernière fois. Ouais, je le vois pas, là. Vas-y, rentre dans la pièce. Alors... Tasse. C'est peut-être ça, là. Machin bleu. Un mug? Bah, essaye, mais ça m'étonnerait, ça peut être forme de mug. Non. Ça marche pas. Ah bah c'est quoi? Punaise, on trouve rien, là. Tu sais quoi? La tasse, pour l'instant, on cherche pas la tasse. Attends, essaye ça, tiens. Essaye de cliquer là-dessus, je sais pas ce que c'est. Ah, safety pin, à mon avis, c'est ça. C'est une épingle à nourrice. Tu veux voir? Oh yes! Ah, une pièce! C'est quoi? Une pièce de monnaie. Putain, mais je l'ai vue tout à l'heure! Ah bah oui, elle est juste là, bien joué. Ouais. Après. Lettre G. Oh, la lettre G. Je l'ai vue. Bah oui, moi aussi. Tu me laisses là. Ah oui, elle est là. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont aussi. Les poupées dans les là, mais ouais. Maintenant. Un canard en plastique. Ouais, ça, je peux te trouver. Hein. Ouais, ça c'est pas très compliqué. Ouais. Après, il y en a en plastique. Une chouette. Ah, une chouette. Tu me laisses chercher. Ah, bah là, je l'ai trouvé direct. Juste, bah oui, moi aussi. Ouais. Elle est là, la chouette. Voilà. Après, Annie. Ah, bah non, c'est une chauve-souris, ça, Gaga. Je le vois d'ici le nid, Gaga. Ouvre les yeux. Un nid. Ah oui. Ouais, très bien. Maintenant. Un avion. L'avion, facile. La pastoche, hein. Mais dans cette colonne, elle est facile. Ouais, mais cette colonne, elle est bientôt finie, je pense. Après. Un chapeau. Un chapeau. Ok. Par contre, t'es pas très doué pour bouger la manette, hein. Je sais, mais je suis la première. Ah, on a fini cette colonne, tu vois. Donc, il nous reste une tasse que je ne trouve pas. Et puis une clé à molette. Alors, la clé à molette, ça se cache pas mais facile. Mais déjà, essaye de me dire un peu plus de choses sur cette clé parce que j'ai rien compris. Ben, c'est une clé avec laquelle tu démontes les boulons. Tu sais ce que c'est un boulon quand même. Ben. Vas-y, rentre dans la maison pour voir. Toi, cherche la tasse, d'accord? Moi, je cherche la clé. Ah, mais il me donne plus dur, lui. La clé, c'est peut-être... Non. La clé, c'est salut, ça. Salut, Brookin. Comment ça va? C'est ça? Ah non, c'est un xylophone, ça, tu vois bien. C'est oh, pas une bon, clé, gars. C'est pour moi. La tasse, c'est ça. Mais comment ils ont pu planquer une tasse? C'est pas possible. Coucou, Amandonette. Comment ça va? Non, c'est un cookie, ça, c'est bien. Rien là, fou de moi là, on n'y trouve rien du tout. Il y a Amanda et Arkin qui disent bonjour. Salut. Me faire debout à 8h45 est un exploit, profite, bah oui, surtout pour voir un jeu comme celui-ci, Croquine. Bon, je trouve pas la tasse. Eh ben, ressort, hein, parce que je la vois pas à l'intérieur, là, donc peut-être qu'elle est dehors. Il faut bien qu'on observe, ils ont dû la planquer dans un coin. Non, ça c'est une ampoule. Ah bah l'ampoule tout à l'heure, on l'a cherché, hein. Non, on cherchait le wrench, ça veut dire quoi? Non, wrench. Wrench, je t'ai dit, c'est une clé à molette. Que je ne trouve pas. Ah, là. Non, c'est un aimant, ça. Mais où est-ce qu'ils ont planqué ces trucs, là? Tiens, appuie ici, parce qu'ils l'ont peut-être planqué derrière la haie, là. Parce que j'ai l'impression que c'est un manche de clé à molette, ça. Mais... Non, là, regarde. Le montant, là. Peu importe le jeu que tu fais, le stream va se claquer. Quel vieux tarbe. Quel vieux tarbe. Ça marche pas. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est quoi là? Non, mais toi, cherche la tasse. On se divise le travail, sinon on va pas s'en sortir.
Il y a Célia qui relève le niveau. Ouais, bah heureusement qu'elle trouve des objets, ouais, parce que... Sinon, ce serait mort. Non, mais Célia... Comment ça se fait qu'on est ah nul oui, comme bah, ça, là? Rien, là. Je comprends pas, moi, pour leur problème. Bah, on va quand même essayer de ça. Oh, merci à votre doublette. Tu es belle. Un de plus, c'est la folie. Bon, ça j'ai pas. Celui-là. Que quelqu'un fasse quelque chose. Mais ça marche pas. Je démarre ma mobilette et je vais rejouer, d'accord. J'ai essayé la clé, ça marche pas. C'est la seule clé. Non, non, une clé à molette, c'est pas une clé. Je te montrerai dans le garage. Je peux pas t'expliquer, c'est compliqué. Mais elle est forcément quelque part. Bon, c'est mieux que tu cherches la clé à molette. J'ai un pote qui a eu un bébé hier, ils ont appelé leur fille Célia, la honte. Oh, punaise, tu peux pas leur dire de nous laisser tranquilles. Il y en a qu'une de Célia, c'est la nôtre. Les autres, c'est des ersatz. Ah, si, j'ai trouvé. Elle est là, la clé. Tu vois, c'est ça, une clé à molette. Oh, mais t'aurais pu me dire. Non, mais tu te rappelleras que ça s'appelle wrench. Voilà. Oh, on a fini quoi cette colonne. Mug, bon. Mug. Dans la tasse. Ah, attends. Tu vois, mug, c'est écrit en bleu. Ça veut dire qu'on peut. Si on le trouve pas, on peut passer à un autre mot. Vas-y, clique dessus. Les pâles copies, mais oui. Ah, la une échelle. Ladder. C'est moi. Ladder. Bon, celle-ci, elle est facile. Ok. Ah, il n'y avait peut-être pas de tasse en fait. C'était peut-être un piège. Merci. Mais tiens. Oh, bah, c'est gentil, hein. Salut Espérion, comment ça va? Techniquement, c'est une clé plate. C'est normal qu'elle ne trouvait pas la petite. Techniquement, c'est une clé plate. J'ai dit quoi, moi, clé à molette? C'est pas pareil? Bon, c'est quoi là? J'appuie sur le truc que... Tu. Je sais pas, vas-y, clique. Non, ça marche pas. Bah, qu'est-ce qu'on fout là, en fait? C'est une bonne question. Ta 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 ta. Vas-y, fais voir, donne la manette. C'est quoi, cette histoire? Oh non, me dis pas que le jeu est bugué. Très non. Agréable, ce live. On apprend plein de choses. Le daron qui vaut pas mieux que la fille niveau bricolage. Ah non, non, ouais, bricolage... Malheureusement, c'est pas moi, le genre de truc que t'apprends quoi, à l'école. Et mon père était plus artisan que bricoleur. Alors effectivement, on a un souci là, c'est bien. Oh non, je veux pas qu'on abandonne dès maintenant. C'est quoi cette histoire hein? Bah bravo. C'est pas grave, hein, au pire, il y a d'autres jeux du même genre hein, qu'on va pouvoir faire. Mais... Une clé à molette, il y a une molette. Ah oui, mais alors la clé à molette, c'est pour simuler les clés plates. C'est une clé plate universelle, non? C'est ça, une clé à molette? Bon, c'est dire on a un problème, effectivement. Quoi? Bah, on est bloqué. C'est quoi ce délire, là? Mais... Attends. On va relancer le jeu, on va voir ce que ça dit. Fermez le jeu. Salut Panda, comment ça va? Panda, il s'appelle. Panda Glouglou. Ah, il y en a, c'est des génies. Hein. Panda. Au revoir, panda. C'est un panda alcoolique. Mais imagine, on doit tout refaire du début. Une clé à molette, c'est plusieurs clés plates réunies. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Fais pas la maline, Amanda. Je crois que t'es pas mieux que moi en travail, en bricolage. Mais voilà. Attends. Clay. Ah non. Ah non. Ah ouais, mais t'as raison. Go to start screen. What the hell? Find the item. If you're stuck, use the hint. Push cross button to circle to several stuff. Bon, on le refait vite celui-là et puis on voit ce que ça donne. Allez, on le fait vite. Maintenant, on connaît les objets. Fais voir. Le nid, l'aimant et le ballon. Oui, mais fais voir. On alterne, comme ça on ira plus vite. Nid, aimant, ballon. Ballon, ça c'est ballon, non c'est une pilote de laine ça. Tu vois un ballon toi? Interrupteur, on a vu l'interrupteur. Lézard, c'est bien. Tu te rappelles où t'as vu le lézard tout à l'heure? Un drapeau. Oui, il est là, ballon. Ah oui. Oui, un drapeau, un ballon, un nœud de cravate. Là. Ouais, exact. Un ballon, un drapeau. Un phare. Ah, le phare, il est juste là. Un ballon, un drapeau, Célia. Non ? Un canard en plastique.
Là. Ouais. Mais je peux pas faire moi aussi. Non, mais là, on veut aller vite. On veut être sûr que le jeu, le il est bugué. CD, le CD, il est là. Ballon ou drapeau? Jolly Roger. C'est quoi Jolly Roger? J'en ai aucune idée. Ballon ou drapeau? Tiens, drapeau, il est là. Ouais. Alors, ballon, il est peut-être à l'intérieur parce que je le vois pas. Ouais. Ça, du coup, on va peut-être pas le ramasser, ce vase-là, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui a fait bugger le truc. Sur la verrière, le ballon. Le ballon sur la verrière. C'est pas un ballon, c'est un parfum, ça. C'est dit comme bêtise, mais... Il est nul, ce gros kid. Bon, on va rendre ouais. La caisse. Ah, attends, une ampoule. Ah, il y a la deuxième mini qui débarque. Oh, ouais. Mais ferme la porte. Papa, c'est bon pour enlever ça, là. Ça va, Jadou? Mais pousse-toi, mais tu vois bien que tu peux pas rentrer. Calme-toi. J'enlève ça, moi. Tiens, là, Oh, t'es habillée, toi? Ça m'a fait tuer les oreilles. Bon, allez, ballon. Alors, moi, je rentre dans une la ampoule, Célia, on l'a vu tout à l'heure, l'ampoule. Ouais. Cherche avec nous, Jadou. Célia, on t'inquiète des coups. Je parlais des trucs bleus que tu viens de cliquer. Ok, après, PA. Tu sais peut-être que c'est une clé à molette, gros kid, mais alors. PA, ballon, popo. Hein? PA. Non, pear, c'est une poire. J'ai vu tout à l'heure, attends, il me semble. À l'intérieur, je crois, non? On cherche un ballon, on cherche une poire et un Jolly Roger, je sais pas ce que c'est. Un Jolly Roger, ça j'en vois plein mes jeux, mais... Ah, je pense que c'est la poupée, regarde, tu vois la petite poupée à gauche de la cheminée, là. Ça doit être ça, Jolly Roger. Elle a une tête de Jolly Roger. Ça, là. Non, la poupée sur la cheminée, Gaïa. La poupée, à gauche. Voilà. C'est pas ça? Alors, celle de la droite? Elle a moins une tête de Jolly Roger. Hein. Non. Ça marche pas non plus? Non. Zut. Bon, on cherche quoi là? Si quelqu'un sait ce que c'est que Jolly Roger, faites signe. Alors, une poire et un ballon. J'adore. Je peux pas te faire un bisou? Tu peux lui faire un biberon par contre. Poire! Non, trouvé! J'ai trouvé la poire. Ah oui, très bien. J'adore, tu veux faire un bisou? Warn, c'est quoi? C'est quoi? Un ballon. Un ballon. Ah, mais... yarn. Yarn, c'est de la paille, je crois. Un bisou. Tu sais qu'il y a la France entière qui t'entend. Ah bon? Ouais. Non, je... Allez, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Hé, hey, papa, ils ont dit ballon, c'est le mot... Oui, ballon. Eh ben... Ah, tu veux switcher, ben. Oh. Tiens, zap, ouais. S'il est en bleu, tu peux... Oh, un bulldog. C'est quoi? C'est bien, ignore ta mère, ça lui fera les pieds. Je zab. Quoi? J'enlève. Jolly Ranger, regarde si tu trouves pas un drapeau de pirate. Ah, Jolly Roger, ce serait peut-être des trucs de pirate. T'as trouvé un truc, oui. Jadon? Moi j'ai trouvé. J'ai trouvé ça et ça. Les écussons là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Jolly Roger, il dit que c'est pirate. Alors faut peut-être que tu rentres dans la maison, voir si on a un truc de pirate quelque part. Ah, c'est trop bien. Ah oui, il y a le regarde l'écusson, ouais, la tête de mort. Voilà. Ouais. Truc de symbole de pirate là. Bravo. Bien joué, Panda, t'es bon. Ok. Violon. Ouais, violon, on l'a trouvé tout à l'heure. Bulldog. Où est-ce qu'il y a... Attends. Yarn. Enfin, un truc là, je sais pas quoi. Bah, Yarn, il me semble que c'est de la paille, mais. Je suis pas sûr. Un cœur. Attends. Attention, j'ai doublé le cœur. Où c'est un cœur? Marche pas dessus. Oui, très bien, cœur. Bah oui, il est dans la maison, cœur. T'as raison, Jadou. Jadou, elle est très observatrice, donc je pense qu'elle va tout défoncer à ce jeu. Yarn, quelqu'un peut regarder? Je me rappelle plus. Tac, le ballon au-dessus de la fenêtre en verre. Parfum. Non, mais Amanda, elle dit parfum, la même chose. Parfum. Ah, bah parfum, ça on sait. Et Amanda, elle confond un ballon et un parfum. Ah, bah, c'est pour ça qu'elle sent pas la rose le matin. C'est un sport avec un ballon. Un bulldog. Bulldog, on passe. C'est un chien le bulldog, mais attends, regarde vite fait. Mais... Un bulldog. Ah c'est... Non, je crois pas l'avoir vu. Ouais. Vas-y, switch. Ah, ouais, une télécommande. Ça c'est facile. Télécommande passe. Au-dessus de la fenêtre, pas sur le toit. Ah, le ballon il serait peut-être là-haut, elle a raison. Tu vois? Vraiment que c'est simple. Non, c'est pas ça. Et en plus, on l'a zappé le ballon. Tu dis que des conneries. Hein. C'est la. Yarn, c'est une pelote de fil. Yarn. Ouais, c'est une pelote de fil. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu? Ah, bah oui, facile. Ah oui, yarn. C'est vrai. Pourquoi j'ai dit que c'était de la paille, moi? Comment ça a l'air de la paille? Book, c'est un livre. Bah, c'est sûr, il est dans la pièce d'à côté. Alors, dis-nous book.
Ou sinon, si. Attends, attends. Livre. Je crois que j'ai vu un livre. Je te montre. Je me demande si c'est pas les trucs dans c'est la pendule. C'est ça, là. Ah, peut-être. Bah oui, bien sûr que c'est ça, t'as raison. Un livre, voilà. Un trèfle et une télécommande. Owl. Et Owl. Un hibou. Un hibou. Un hibou, là. Bah oui. Bah, hibou, Kaga. Ça, c'était une chouette. Ouais, non, mais Owl, c'est hibou, je crois. Ok, fini. Remonte, coudre. Remote control, c'est une télécommande. Et club, c'est trèfle. Non, tu cliques pas dessus. On sait où elle est, la remote control, la télécommande. Elle est à l'intérieur. Bah oui. Ah, straw, la paille, ouais. Straw, yarn. Pourquoi j'ai pensé à yarn? Merci, Amanda. Ok. Et fini. Le trèfle. Et club. Trèfle. Ah, celui-là, il est facile. Bien joué. Alors, à l'infinito. Non, malheureusement, ils veulent qu'on clique sur le vase. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, trouve le vase. Tu l'as trouvé déjà tout à l'heure. Ouais. Il est juste au milieu. Voilà. Ouais, mais... Alors, j'espère que ça va pas bugger. Attends, touche à rien. Ah, ça y est. Ok, cool. Tu reviens en arrière. Où ça? Tu montes. C'est bizarre, le jeu, il y avait un bug tout à l'heure. Tu cliques dessus, ouais. Ici? Ouais. Et alors, qu'est-ce que je peux dire? Monsieur Raton Laveur est exactement comme je l'imaginais. Il est arrogant et en plus il est riche. Il était vraiment pas content par rapport à la police pour de ne pas avoir attrapé les voleurs. Mais je ne le vois pas. Je ne vois pas en lui une seule once d'inquiétude à propos du cambriolage. Il se la raconte beaucoup à propos de sa grosse maison et de son étable. Mais quand je demande à voir les chevaux, il me dit que c'est impossible parce qu'ils sont dans les champs, en train de brouter. Ou grazing, je ne sais pas ce que c'est, imagine brouter. Je pense que les chevaux sont bel et bien dans l'étable. Il pense probablement que je suis au-dessous de lui, sociétalement parlant, et que donc je n'ai pas le droit de m'approcher des chevaux. Quelle petite saleté. Allez, c'est pas grave, je suis ici pour le collier qui a été volé, pas pour les chevaux. Donc je vais visiter la maison encore une fois quand il ne sera plus là. Ok. Allez, Jadou, tu vas nous aider cette fois? J'appuie là. Ce matin, café au lait, pancake et jus de fruits. Alors, pancake et jus de fruits, je valide complètement. Café au lait, il faut vraiment se débarrasser de ça. Non, t'appuies sur la petite flèche en bas à droite, c'est mieux pour avancer. Tu me diras quand tu voudras un biberon, Jadou, j'irai te le faire. Vas-y, appuie. Appuyez. Ah. Bon, et eh ben écoute, reviens en arrière. Ça doit être l'autre. Ok, nouveau tableau. Yeah. Old Hawk Crossing. Donc le. Tu nous aides, Jack. Le pont du vieux chêne. C'est pas vu le pont. Vas-y, va, clique sur le pont là. Vas-y. Alors appuie en bas à gauche. Le bouton jouer là. Ouais. Ok, alors on cherche. Un parasol, une médaille. Parasol, le parasol. Ouais, une médaille et une. Non, ta médaille. Une bouteille d'encre. La médaille. Oh, mais appuie sur le parasol, Célia. Non, ça n'a pas marché. Ah, bah alors c'est un parapluie. On cherche un parapluie, une médaille et une bouteille d'encre. Parapluie. Médaille et une bouteille d'encre. Médaille, c'est bon. Donc on cherche une ceinture. Une ceinture. Rappuie sur le parasol quand même, ça me paraît bizarre. Non, mais pas sur l'éléphant, sur le parasol. Non. Ok. Donc on cherche. Une bouteille d'encre, une ceinture et un parapluie. Je cherche la bouteille d'encre. Bouteille d'encre, ceinture. Ah, la bouteille! Je devrais pas être... Non, mais va voir sur le bateau justement pour voir ce qu'il y a. Appuie. Oh! Alors la bouteille d'encre, on la voit. Pas. Si. Jade, tu la vois la bouteille d'encre? Ah oui, je la vois. C'est ça. On voit le parapluie aussi. Parapluie, tu vois pas. Bon, la bouteille d'encre, tu cliques dessus s'il te plaît? C'est là? Ah oui, parapluie, on le voit. Ah ben, c'est ça là. Ah oui.
Là, il y a le parapluie aussi, je le vois. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une ceinture? On cherche une ceinture, une botte oui, et trouvé. Un ballon de foot. Ah, très bien, ceinture. Une botte, un ballon de foot. Une botte. Botte à il ballon de foot. Il serait peut-être à padlock, l'extérieur, on cherche à l'extérieur pour ballon de foot. Ouais. Une botte. Ah, de là-bas. Ouais, ballon de foot, on a des bottes. Ouais, je la vois, la botte. La botte. Ouais. Ouah, oui, bravo. Pour ouais. Bien joué, j'adore. On cherche une chenille. Une chenille. Ouais, une chenille, une rose. Une rose, je cherche la rose. Padlock. Quelqu'un. Ah, padlock, ça doit être le cadenas, je pense. Le cadenas. La chenille, ce serait pas le truc là au début. Non, de la... c'est un croissant ça. Ah. Non, mais va cliquer dessus quand même, Célia, au cas où. Sur quoi? Ça, ouais. Ah non, ça se voit quand même, c'est un croissant. Alors, une chenille et une fléchette. Fléchette. Tu vois, dans l'arbre, il y a un cadenas, là. Va cliquer sur le cadenas. Ah, la chenille, je l'ai trouvée. La fléchette, je l'ai. Ouais. En haut à droite, faut dire, Jadou. Faut dire exactement où tu l'as vu. Ouais, parce que là, je vois... Ah oui, là. Voilà, on cherche une coccinelle. Coccinelle trouvée. Ouais, bien joué. On cherche une fléchette. Ah, elle est là, attends. Une fléchette, un timbre. Peut-être qu'elle est là-dedans. Lips. Je cherche là-dedans. C'est des lèvres, okay. Mais... Lips, c'est des lèvres. Ouais, des lèvres. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, ici? Est-ce que vous cherchez une grenouille? Non, on cherche pas de grenouille. On cherche un timbre, je l'ai trouvé. La fléchette, je l'ai trouvé. Et lips, je sais pas ce que c'est. Clique sur lips. Ah, la fléchette, ici. Dis pas ici, dis exactement où tu l'as. En haut à gauche. Voilà, en haut à gauche, c'est lié à la fléchette. À gauche. Non mais sors de là. Ah oui. Ouais. Bravo là. Le timbre, moi je l'ai vu le timbre. Timbre, t'es sûr. C'est quoi déjà un timbre? Tu sais pas. Oui, voilà, c'est le symbole de... C'est bien représentatif ça. Tu sais pas ce que c'est un timbre? Non. C'est ce qu'on met sur les lettres pour les envoyer. Ah oui. C'est le genre de truc que tu feras plus jamais dans ta vie toi. C'est sur le pont le timbre. Sur le pont. Ah oui, là, là. Il faut une scie. Une scie cotton bud. Elle est dans le bateau, la scie. C'est vrai? Crie oui. Pas, Jadou, crie pas. Non, pas je vois pas la scie. Tu casser, là. Si, elle est dans Lips, le bateau. Elle cotton appuie. Bud. Appuie où? Va dans le bateau. Va bateau. Dans le bateau. Il y a une scie, apparemment, elle dit. Là? Bah oui, il y a une scie, elle a raison. Cotton bud, qu'est-ce que c'est? C'est ça, ta scie. Une scie, Célia, tu sais pas ce que ah, c'est oui. Une scie. Ah bah c'est bon, avec elle, moi j'en veux bien qu'elle arrête de crier. Un smiley. Un smiley. Un smiley. Ah là, très bien. Cotton bud, malheureusement, je sais pas ce que c'est. Ellipse, c'est des lèvres pour moi, mais je vois pas. Bon, lips. Clique sur, ouais, clique sur lips. Une tortue. Une Sword. Épée. Sword, c'est une épée. Une tortue, une épée. Alors j'ai vu les deux. L'épée, elle est dans l'eau. Ah, ouais, la tortue. Où ça exactement, Jadou? Là. Oui, mais dis pas là, explique à un petit peu. À côté du pont. Ouais, côté du pont. Du pont. C'est... Ah, un coton-tige. Ah, oui, merci Amanda. Cotton bud, c'est un coton-tige. Une tortue, des jumelles. Un coton-tige. Un oiseau. Coton-tige. Un oiseau. Ouais, un oiseau, là. Un oiseau. Où ça, Jadou? Sur la pagaie. Sur un la rame. Un coton-tige. Alors, une citrouille, un coton-tige, des jumelles. Coton-tige, des jumelles, une citrouille. Je vois rien de tout ça sur le bateau. Un dehors. Un coton-tige, des jumelles, une Attends, citrouille. Attends, appuie sur le bateau. Je crois que je sais ce que c'est. Ce serait pas le truc là vers les verts. La citrouille. Bah non, c'est un citron ça. Un citron. Ah oui, t'étais trompé. Ah. Un citron. Ah, j'ai vu la citrouille. C'est presque... Elle est bleue là. Ah oui, ah, oui. Bien joué. Ah oui, c'est vrai. Ok, coton. Le coton-tige et les jumelles. Les coton-tige, ils l'ont mis, non? Ah oui, je pense. Enfin, ça ressemble pas vraiment à un coton-tige. On sait jamais à côté du robot là, non? Ça ressemble plus à un bâton pour le miel, mais. Tu vois? Attends! Non, c'est non. Pas ça. Un coton-tige et des jumelles. Alors, des jumelles. Coton-tige et jumelles.
Alors ici, il n'y a rien de tout ça dans non, le bateau. Non, il y a ce bon bateau, j'ai pas l'impression. Coton-tige, Amanda, elle demande si elle peut nous aider. Oui. Oui. Coton-tige et jumelles. Canne à pêche, elle a dit. Canne à pêche. Ah, punaise, elle a raison. Le coton-tige, il est sur la canne à pêche. Bien vu, Amanda. Je... Bah, regarde bien la canne à pêche. Regarde ce qu'il y a dessus. Là. Mais là, là, ça veut dire quoi, là? Je te demande pas de regarder le bouchon. Je te demande de regarder la canne à pêche. Et... Ah oui, ouais, ouais, ouais. Coton-tige, bah bravo. Il nous reste les jumelles, il nous reste le couteau de survie, là, tu vois, le petit couteau suisse, et il nous reste... Couteau suisse trouvé. C'est vrai? Ah, c'est bien, ça. Bravo. Même s'il est caché, Et il nous reste l'anneau doré, là, tu vois, c'est celui qui est sur la barque, je pense, là. À droite de la barque. Regarde, l'anneau doré, à côté de binoculars, là, tu vois, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Clique là-dessus pour voir. Ouais, ok. Ok. Et il nous reste plus que les jumelles. Jumelles. Amanda, elle les a trouvées. Ah oui, moi aussi. Ah bah oui, punaise, elles étaient juste devant nous, bravo. Fini. Très bien. Fini, ah. On a fini, on a fini, on a fini. Où est-ce qu'on va, Ah, ça se rajoute à notre collection, le petit couteau suisse. Qui va gagner en premier, la Team Olincha ou Amanda? Ouais, non mais ouais, Amanda, je la sens un petit peu experte. Ici? En la matière, ouais. Ouais, nouveau. On va à Canary Grove. Allez, clique sur jouer. Oh là là. Random. Alors, on cherche un pot de miel, une flûte et un journal. Un pot de miel, une flûte, un journal. Flûte dans la maison. Pot de miel. Alors, je vois le pot de miel. Ah oui, moi aussi. Dis pas là, Jadou, explique. Mais oui, sur la table. Derrière la table, ouais. Pot de miel. Ah oui, là. Ouais. Une flûte et un journal. La flûte, elle est sûre, elle a un montage. Et une bougie. Flûte, journal, bougie. Flûte, journal, bougie. Flûte, c'est en français, hein. Flûte, journal, bougie. Je vois pas de flûte, je vois pas de journal. On stresse Amanda, je suis sûr qu'elle a déjà tout trouvé. C'est quoi tout ça? Ah bah demande-lui. Ah bah non, bah on va pas systématiquement recourir à son aide, sinon on cherche plus rien. T'es sous Je vois pas de ce qui... Attends, va pas trop vite. Une bougie. Bougie, Bougie, y'a pas. Flûte et journal. Flûte. Ok, recherche dehors. Journal, flûte. Je vois pas de bougie, hein. Ni de journal et ni de flûte. Eh oui, mais ils sont là, forcément. Ils sont bien cachés, c'est tout. Faut bien ouvrir l'œil, faut bien regarder. Ah, non. Vous savez quoi? Moi, déjà, je vais chercher cela. Toi. Toi, je te trouve. Elle a déjà tout trouvé, Amanda, c'est sûr. Non. Bien joué. Il y a une espèce de cigare aussi qu'il faut trouver, là. Je sais pas ce que c'est, ou une manche de quelque chose. C'est sûr, ça, à l'intérieur. Flûte, journal, bougie. Mais c'est pas possible, on trouve rien. C'est un scandale. Bon, alors attends. Oh, je vois rien. Je suis aveugle ou quoi? On voit rien du tout. Bon, là, mais on voit rien du tout. Mais ouais, oh, attends, il faut se concentrer sur une zone parce qu'il y a des choses qui apparaissent quand tu te concentres sur une zone. Ah, je l'ai vu, le petit bois à gauche là. Le bout de bois à gauche, il est à côté de la cheminée. Ah, à côté de la cheminée. Alors, je vois pas de cheminée non. Ça se trouve où, une cheminée, mais sur je... une maison? Ah oui, là. Non, l'autre cheminée. Voilà, maintenant tu regardes à gauche, un peu plus bas, il y a le manche en bois là. Ici? Ça, c'est un tire-bouchon. Regarde l'objet en bas à gauche. À côté, là. Ce qu'il faut qu'on trouve. Ça, là. Est-ce que tu as vu? C'est ça qu'il faut qu'on trouve. Oui, ben... Eh ben, il est juste à côté de là où t'es. À gauche de là. Ah oui, là. Salut, Guillaume. Comment ça va? Okay. T'as tout sauf la bougie, punaise. Il y en a qui ont trouvé la flûte et le journal. Mais elle est où, la flûte, purée? Flûte, journal, bougie.
Attends, peut-être que le journal. Oui, dedans là. Ah oui, bah oui, regarde de l'autre côté de la boîte aux lettres. Ah oui, voilà. Mais on est aveugle. Mais journal et bougie. On est complètement miro. Ah, la flûte gelée. La bougie. Là. Regarde l'échelle. Salut Christ, comment ça tu va? Tu vois une flûte toi à l'échelle? Bah regarde l'échelle. Tu vas voir, il y a un truc qui va te. Regarde bien. Voilà. C'est ta flûte? Bah oui. Ah, le tire-bouchon. Bravo. Le tire-bouchon. C'est quoi un tire-bouchon? C'est pour enlever les bouchons des bouteilles. Un truc dont on se sert jamais. Voilà. Alors, une bougie, des allumettes et une flasque, je sais pas comment on dit en français. Attends, une bougie. Une gourde. Une allumette. Ah, une allumette. Les allumettes, je les ai vues, moi. Ouais, moi aussi. Non, mais je les vois, là. Elles sont pas... Là mais oui. Regarde le poteau télégraphique. Je vois un poteau télégraphique. Regarde le poteau... C'est quoi les poteaux? Montre-moi un poteau dans l'image. Voilà. Regarde bien sur ce poteau. Ah oui. Ça, c'est quoi ce gros truc? Fiole, flacon. Ouais, flacon, c'est pas mal, ouais. Flacon. Ornement. Alors, ornement, c'est une décoration. Tu cliques sur la tête de lion en haut à gauche, là. C'est peut-être ça l'ornement. C'est pas une... Tête de lion dans l'arbre, là. Fais voir. Non? Ça a pas marché, t'as cliqué sur la tête? Non, ça a pas marché. Ah, peut-être que. Non, un ornement, c'est un truc que tu mets en décoration. Ah, ça doit être le petit oiseau là, blanc. Mais non, c'est pas un ornement ça. Peut-être la colonne à côté du poteau télégraphique, la colonne avec du noir dessus là, essaye. Je vois. Ah oui, peut-être. Non. Non, ça c'est une pomme de pin ça. La colonne à côté du poteau télégraphique, c'est-à-dire en noir et blanc. Le poteau, il est où le poteau? Mais le poteau il est là. Eh ben, à gauche, t'as un truc noir et blanc là. Une colonne en noir et blanc, Célia. Oui, ça là. Ah bah clique dessus. Mais non, c'est pas ça. Alors monte en haut du poteau parce que je crois que c'est la flasque là-haut. Hein. En haut du poteau, le truc marron là. Voilà. Clique. Voilà. Ce que c'est là. Un bois, je l'ai trouvé le bois. Je m'étais demandé. Alors, une bougie. Ah, un bateau. Un boa. Non, un bateau. Boat. Boat, c'est un bateau. Une bougie ou un bateau? Alors, le bateau, je crois que je l'ai vu à l'intérieur. Moi aussi. Est-ce que je l'ai bien vu à l'intérieur? Non. Alors, attends, est-ce qu'il y a un ornement ici? Qu'est-ce qui pourrait servir d'ornement? Une godle, c'est quoi? Bougie, un bateau. Bougie, c'est une godle, on l'a toujours pas trouvé. Non, bougie, c'est candle. Mais elle doit être bien planquée comme le reste. Ah, ça doit être le truc coque là. Non, ça c'est une sucette ça. Ah ouais. Mais c'est quoi la fin? Ouais. La colonne, le stylo, c'est un stylo ça? Ah bon? De quoi? Je sais pas, Amanda elle a fumé la moquette. Le stylo, n'importe. Ah attends, ornement, je me demande si c'est pas une encre. Fais voir l'encre sur la télé là. Je me demande si ornement c'est pas l'encre. Non, sur la télé, c'est il y a une encre. Tu sais ce que c'est une ah encre? Ah oui. Mets-toi bien dessus, clique. Zut. Ah, regarde les deux ailes sur l'abat-jour de la lampe. C'est quoi? La lampe à droite. La lampe sur le meuble. Une lampe, voilà. Clique sur les ailes là. Non? Je sais pas mais ce que c'est là. Oh, y'a rien! On sort de là. La bougie et le bateau, Jadou, je comptais sur toi, moi. Mais c'est dur! Bah oui, c'est dur, mais. D'où elle voit que c'est un stylo, cette amandonnette là? Elle a fumé. Elle a fumé la moquette. Bah ouais! Bah ouais, elle a fumé la moquette! Si, c'est un stylo. Ouais, d'accord, ouais. Un stylo chez Harry Potter, peut-être, mais. Elle a fumé sa moquette. Ah, oui. Bon, cherchons bien là, le bateau. Qu'il est. Le bateau, il devrait être caché. Le bateau et la bougie, les filles. La bougie, depuis le début, on l'a pas trouvé. Mais ouais. C'est trop nul. Ça... Pourquoi il y a un moulin vert ici? Un moulin vert? C'est pas un moulin. C'est un. Ah c'est oui un du bateau là. Oui. Un
indiqué. Bah, j'ai cliqué sur tout à l'heure, mais... c'est pas un moulin, c'est une barre de navigation. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pour piloter, conduire les navires. Ok, mais comment on fait pour sortir le bateau? Oh putain, Christ, il a trouvé le bateau. Oh. Ah, mais je le vois, le bateau. Où ça? Regarde la pendule. Quoi, une pendule? Ah oui. C'est quoi une pendule, Célia? T'as 8 ans. Oh putain. Une canne, c'est quoi? Ah oui, une canne, le moment des trucs, là. Quoi? Une canne, maman des... C'est quoi une canne? Mais une canne, maman des... Non, 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 non. Bah c'est quoi? C'est un bâton dont tu te sers pour marcher. Ah oui, j'ai trouvé. Ah mais sur la porte, je l'ai trouvé. Elle dit qu'elle est... Vas-y, rentre. Rentre dans la maison. Jade, elle a l'air de savoir où c'est. Où ça, là? Là, je comprends pas. Bien joué, Jadou. Je comprends pas ton là, là. Bah regarde, c'est une canne. Tu sais ce que c'est une canne, quand même. Voilà, bien joué. Un lion. Ah bah ça, c'est facile, ça. Le lion, la bougie. Ornament, quelqu'un peut... Gouvernail, oui, voilà, merci. Tuba, c'est quoi un tuba? Un tuba. Cool. Alors, en anglais, je suis pas sûr que ce soit pareil qu'en français. C'est soit un instrument de musique, soit un tuyau qui te sert à respirer sous l'eau. Mais tuba en anglais, je sais pas trop. Clique dessus pour voir si ce qu'il propose d'autre. Oh, un papillon. Fastoche. Ah bon? C'est sûr. Je l'ai vu, le papillon, je crois qu'il est à l'intérieur. Ouais, je crois que moi aussi, je l'ai vu à l'intérieur. Ouais. Ouais, à l'intérieur. Bougie, les amis. Une bougie. Snack. Un serpent. Snake. Ah, un serpent. Ah bah oui, fastoche. Bah oui. Mais, hey. T'as mal cliqué. Voilà. Comme une moulure, un peu. Basketball. Ah, ouais, ok, je vois. Non. C'est un basketball. Baseball bat. C'est une batte de baseball. Ah. Alors, je la vois. Oui. Non, non, ça c'est un ballon de football, c'est pas une batte de baseball. Regarde à côté des tonneaux à droite. Il y a un bout de bois particulier qui ressemble. C'est ça, regarde la batte de baseball. C'est le bâton que j'ai. Ah, ok. Ouais, je vois. Bien, très bien. Un knife, pas knif. Knife, c'est un couteau. Je le vois d'ici. Couteau. Ouais. Regarde vers le puits. Il est où le puits? C'est quoi un puits? Tu sais ce que c'est? Ouais, c'est voilà. Pas, et ben vers le puits, il y a un couteau. Ah oui. Oui. Ok. Lightbox là. Squirrel. Bougie de voiture. Un squirrel. Squirrel, c'est un écureuil. Où est-ce qu'on a vu un écureuil? Squirrel. Peut-être un. Ah oui, je vois. Je l'ai vu. Sur le tableau. Ah oui, moi aussi. C'est pas le tableau, c'est. Bah si. Ouais. Une canne. Canne, c'est une boîte de conserve. Boîte de conserve. Ah, attends, si. Tu l'as vu? Ah non, elle est pas là, je viens de la voir. Elle est dehors. Ah bon? Elle vient de le toit. Ah oui. Papi-pou-dou-da. Ok. Que curieux. Les ailes. Ah bah ça, on les a vues. Ah bah oui. On les a vues, les ailes. Boum-boum-boulou. Allez, clique bien dessus là. Voilà. Ok. Un film au rôle. Ouais, alors un rouleau de film de cinéma. Bon, ça c'est un peu compliqué, vous connaissez pas ça. 10. Je l'ai vu, sors. Il est à côté de l'échelle, le truc jaune là, où c'est marqué 20 dessus. Ouais. C'est une pellicule, voilà. Film rôle, c'est une pellicule. Ok, Kay. Une clé. Qui? Une clé. C'est pas Kay, c'est qui? La clé, je crois qu'on l'a vue. Pas ici. Hein. Les Wings. Bon, je vais me. Une clé, une bougie et une moulure. Je veux pas de clé. Attends. On n'a pas trouvé la bougie. Bah non, toujours pas. Bon, dites-nous si vous avez trouvé la bougie parce que nous, depuis le début, on trouve pas la bougie. Hein. Non, mais on a le moyen de demander un indice quand on aura vraiment décidé qu'on peut pas trouver. Sinon, dites-nous un indice. Non, mais on a moyen d'avoir un indice. Mais on est en galère, là. Non, mais on est en galère, Célia, faut pas abandonner tout de suite, faut chercher. Pour savoir. Pour sinon, il n'y a aucun plaisir. Mais bougie, depuis le début, on cherche. Non, justement, on est passé à côté comme un gars. C'est quoi ça? C'est une boule de Noël? Ouais. Et clique sur le nain dans la fenêtre, là. C'est peut-être ça, l'ornement. Non. J'ai déjà cliqué tout. Une clé, une bougie.
clé, une bougie. Quoi de neuf, le Vortix? Je t'ai pas salué quand t'es arrivé, je crois. Appuie. Rentre à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a. Clé, une bougie. Pas de clé. Hein. Attends. Avant de dire qu'il n'y a pas de clé, cherchons bien. Ah, Jade, je comptais sur toi, moi, t'es la meilleure à ces trucs-là, normalement. Mais ouais. Mais c'est dur. Ah bah ouais, je sais, ouais. C'est MB. Oh, c'est quoi ce monsieur? Peut-être ouvrir le tiroir. Non, on peut pas. Oh là là, ah, appuie sur le truc qu'il y a au-dessous du meuble, là. Ça me chiffonne, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Ah, c'est un cendrier, ça. Voilà. H quelque chose. Oups. Les travaux avancent, Vortix? Nice. Tu vas kiffer quand tu vas emménager. Bon, tu sais quoi? Ici, y'a rien. Attends. Prenons le temps de regarder une dernière fois, parce que cette bougie-là, c'est pas là-dedans, normal. Là? Non, pas là-dedans. Je pense qu'elles sont... Tout ce qu'on cherche, c'est dehors. Une bougie et une clé, c'est bien. Ah, la... Clique sur le verre qu'il y a sur le puits, là. Il y a un petit semblant de clé qui se dessine. Mais... Où ça? La mousse qu'il y a sur le puits. Ouais, clique là-dessus. Non? Clique? Ça fait rien? Non, peut-être là-dessus. Non, mais j'ai fumé la roquette. Oh, y'a rien! Bon, appuie sur carré. Carré? C'est où, carré? Carré, c'est sur la manette, c'est bien. C'est un bouton. Appuie. Ouais. Et bah? Qui? Clique là où ils t'ont dit, c'est quoi ça? Oh, c'était la bougie, ça! C'était ça, la bougie? Ah ouais, non, la carton rouge, je suis pas d'accord. Ouais! Quelqu'un l'avait trouvé? Mais trouvé, ouais, la mais c'est jaune! Ta cam cache les objets, merde. Ta cam cache pas les objets. On voit passer non. Avec la cam. Mais je peux difficilement la mettre à un endroit qui va pas être embêtant. Bon, Kay! Kay! C'est quoi, Kay? Non, c'est pas Kay, c'est qui? Une clé. Oh. Mais s'ils nous refont le même coup, laisse tomber. Mais ouais. Ah, vous pouviez pas la voir? Ah oui, zut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, parce que la caméra, elle cache un petit peu une partie de l'écran. Rappuie sur carré, parce qu'on sèche, là. Quoi? C'est ça, l'ornement? On a vu? Oh, une clé! Ah oui, d'accord! C'était ça, la clé! Non, en fait, qui, c'est aussi les touches des claviers. Regarde! Quoi? Mais ça devient rouge! Oui, ça devient rouge parce qu'il veut pas qu'on refasse ça tout de suite. Ah ouais, punaise, j'y ai pas pensé à ça. La touche de clavier. Ornament. Ornament. Ouais, bah ça, appuie sur carré parce que j'en ai aucune. Oh, punaise, j'y ai pensé tout à l'heure à la boule de Noël. Ornament. C'est une décoration, en fait, ornament, hein, tout simplement. Vraiment, j'avoue, c'est pas gagné. Pas gagné. Non, là c'était dur, là les trois derniers on a séché. Hein. Ouais. On a séché complet. Bon, où est-ce qu'on va aller maintenant? Alors. Oh, Foxy Margaret, elle était assise dans une chaise roulante avec une couverture sur ses jambes et un petit peu d'herbe autour d'elle. Elle avait entendu parler du cambriolage, bien sûr, mais elle n'avait rien vu. Ouais, mais c'est bon, là. Et oh, c'est l'histoire, on s'en fiche pas, on écoute l'histoire. Elle avait l'habitude de travailler pour Lord Raton Laveur en tant que cuisinière, mais elle a eu à démissionner à cause d'un problème avec ses jambes. Elle ne peut plus se lever maintenant. Pauvre Raton Laveur, se faire voler de cette façon-là. Il semblait qu'elle parlait du Lord de manière plus intime que ce que les servantes devraient. J'ai aussi noté que son puits ne marchait plus. Elle m'a expliqué soudainement. Strange began to spread from it, and that the water turned greenish. D'accord, il y a quelque chose qui a pourri dans le puits, et puis ça a commencé à devenir tout vert. Tiens, va sortir la nain, s'il te plaît. Mais demande déjà de. Va sortir la nain, s'il te plaît. Et maintenant, une odeur vraiment non, pas touche, plaisante. Non, pas touche, mais moi je veux essayer de jouer.
Une odeur peu plaisante se répandait dans, autour du puits. Maintenant, je vais devoir laisser le puits et me concentrer sur le robbery. Alors, Jadou, essaie d'aller appuyer sur... vas-y, appuie sur, cette, sur X, sur croix. Ouais. Et là, tu vas aller appuyer sur le nouveau... sur le bouton en bas à gauche qui va apparaître, le bouton... Non, avec ça, là, tu descends. Voilà, tu le quittes. Oh, doucement, doucement, doucement. Voilà, encore un peu. Voilà, t'appuies sur X. Yo Burst, comment ça va? Oh, c'est quoi ça? Ah, ça doit être un memory, peut-être. Non. Alors, attends, vite, 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 vite. Faut qu'on fasse rapidos. C'est quoi? C'est un memory, je pense. Champignon, champignon, rouge. Oh là là, c'est que des champignons. Je vais pleurer, ça, grand-mère. Ah, j'ai... Non. Pour l'instant, il n'y en a pas un seul de commun. Oh là là, mais c'est impossible, leur truc, là. Chanterelle. Ah, on l'a vu, on l'a vu. Non, pas là, lui? À côté, oui. Non, non pas lui. Non. Lui. Ok. Ah, on l'a vu, lui. On l'a vu, là. Non. Oui. Non, pas là. Là, peut-être. Non. Là. Non, mais tu... Ah, pousse-toi. Mais là... Non, tu dis des conneries, toi, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu dis que des bêtises. Champignon bleu. Non, mais pas là, ici. Attends. Ici, là. Ici, merde, là. Ah, zut, crotte de flûte. Bleu. Ah, zut, j'avais déjà vu tout à l'heure. Là. Je crois à côté. Ici? Ouais. Non. Ah, ouais, rien à voir. On n'est pas bon. Non, pas là, là où... Le plouc. Voilà. Je me rappelle pas de ça. Allez, on a réussi, mais alors vraiment, on n'a pas été bon. Do you remember? On va le platiner, ce jeu, ça va pas traîner. Voilà. On va changer par contre de jeu bientôt là, parce mais que j'en ai trois à tester et il faut qu'on passe une heure sur chaque maxi. C'est le même genre de jeu hein, à chaque fois. Donc, ici faites-moi signe quand on est à plus d'une heure de stream, s'il vous plaît. Oui, clique. Je pense que c'est le dernier tableau qu'on va faire. Bon, alors, Lightning Bolt. Lightning Bolt, c'est un éclair. Lightning Bolt, c'est un éclair. Glove, c'est des gants. Et Orange, c'est une orange. Alors... Orange, là. Ah oui, bien là, vu, dans les citrouilles. Oui, il faut que tu expliques où, j'adore. La prochaine fois, moi, je ne ferai pas, hein, tant que tu dis pas. Un citron tant que tu dis là. Non, c'est pas trop long, justement, tu peux expliquer. Oh, le lightning bolt, l'éclair, je l'ai. Sur la planche en bois. Yo, grand Mimil, comment ça va? Quelle planche en bois? Ah oui. Planche en bois, t'as le lightning bolt là-dessus. Yeah, baby. Ok. Ok. Scorpion. Un scorpion. Un gant. À trouver. Ah oui, bien. Un gant, comment ça s'appelle ? Un perroquet. Un gant, un perroquet et rolling pin. Je sais pas ce que c'est. Ah, on peut rentrer, regardez. Ah ! Un gant, un perroquet. Attends. Perroquet, je vois rien. Clique sur le crochet en haut à gauche, c'est peut-être ça le rolling pin. On va tester au cas où. Non ? Un perroquet ou des gants ? Jadou, y a pas ici. Je compte sur toi, Jadou, il faut trouver. Ici, ouais, ça va, gros Mimil. Non, y a pas, on sort. Ah, c'est un rouleau à pâtisserie, un rolling pin. C'est un rouleau à pâtisserie. Rouleau à pâtisserie, gants et perroquet. Sors de là. Rouleau à pâtisserie. Ah oui, je l'ai, le rouleau à pâtisserie. Ah, oui. Au-dessus de la roue. La roue, c'est... Non, pas celle-ci. L'autre roue, t'avais trouvé l'éclair. Rouleau à pâtisserie, c'est-à-dire. Tu y es presque. Regarde bien. À gauche, là. À gauche, un petit peu en bas. Tu le vois ou tu le vois pas? Le rouleau à pâtisserie, Célia. Mais je l'ai, juste là. À gauche de là où t'es. Mais non, c'était pas du tout dessus. Jade, est-ce que tu le vois, le rouleau à pâtisserie, juste à gauche de là où est Célia? Là, le rouleau à pâtisserie, juste ici. Ah oui. Punaise.
Un perroquet, bah moi, je l'ai vu. Un gant, une ombrelle en papier. Un perroquet, un gant, une ombrelle en papier. Alors clique sur perroquet parce que je pense qu'il n'y est pas. Je pense qu'il n'y en a pas. On va changer de mot. Pacifier, ça veut dire quoi? Un pacifier, ça pour moi c'est un flingue, mais... Non, je zappe. Un pacifier, oui, zappe parce que... Pine cones, une pomme de pin. Une pomme de pin, des gants. Pomme de pin. Ah, je l'ai le paper umbrella là. Le quoi? L'ombrelle en papier, regarde, à côté du rétroviseur. En vert et blanc. Le rétroviseur, Célia, c'est quoi un rétroviseur? Mais c'est ça. Voilà, à droite, en vert et blanc. Voilà. Tac. Ok. Ok, on sort de là. Une fourchette, une pomme de pin. Ah, la fourchette. Ah, tu crois que c'est ça? Oui, la ça a l'air d'être ça. Hein. Ouais. Je... Explique-lui, Jadou, c'est. Vers l'arbre. Vers l'arbre, très bien. La fourchette, Célia. Ah, ou c'est les gants, ça plutôt. Ah, t'as trouvé les gants, on pense à trouver la fourchette. Pochette watch. Quel génie du mal. C'est quoi, pochette watch? Pacifier, c'est une tutute. Pochette watch. Ah, pacifier, c'est une sucette. J'avais pas ça. Ah, j'ai trouvé dans l'artillerie. Non, je pense que c'est Célia qui a raison. Mais clique, Célia. Non, ça marche. Non, alors fais ce que... Non, non, c'est dans l'arbre. Ouais, mais c'est pas une sucette, ça, Jadou. Mais quel violet. C'est un donut. Si, c'est une... Mais sors de là, Célia, elle te dit on va aller dehors. Dans l'arbre, là. C'est pas... Il est pas violet, il est rose, là. Mais c'est pas une sucette, ça, Jadou. Mais si. C'est, mais si, c'est un donut. Ça devrait être c'est un beignet. Ah, derrière une sucette. Ah, une sucette. Ah bah oui, voilà, la pacifier. Ah, c'est excellent qu'ils appellent ça pacifier, ça me fait rigoler. Ça marche pas. Attends, quoi? Ça marche pas, le pacifier? Non, ah, mais non, mais on l'a plus, le pacifier, on l'a passé. On a... C'est une pomme de pin, maintenant, qu'il faut qu'on trouve. La moufle. J'ai trouvé. Non, mais on cherche pas... On cherche pas une moufle, on cherche une pomme de pin, une fourchette, ou alors une montre de poche. Ah, une fourchette trouvée. Ah, oui, bien. Une montre de poche du corail. Du corail. C'est quoi? Ah, du corail, c'est les petits animaux qui se greffent les uns aux autres dans la mer pour faire des barrières de corail. Alors, ouais, corail, ou alors ça doit pas être ça du tout, parce que je vois pas comment il représente ça. Une montre, regarde, il y a la lentille aussi à trouver, la lentille et la boussole. Ah oui, la lentille, je la vois, elle est à côté du bidon d'essence. Ouais. La boussole. Ah non, c'est sûr, elle est pas là dans la boussole. Du corail. Ah, la montre, tout à droite. Ah oui, attends, on a le droit. Mais oh. C'est bien corail, je check, d'accord. Voilà, fini. A plus. Ah, mais non. C'était. Ouh, elle est net. C'était pas ça. Comment ça? Bah oui. Si, c'était ça là. Ça a remplacé sur moi. Et ben oui. Et ça a remplacé la montre de poche. Alors, une boussole. Alors, c'est bien, si on trouve la boussole, on fait coup double là. Boussole, corail ou pomme de pin? Boussole, corail. Pinocone, on enlève. Attends. Non, pomme de pin, normalement, ça se trouve fastoche. Boussole, fastoche. Pomme de pin, corail. Rentre dans le camion, parce que je pense que la boussole elle doit être à l'intérieur. Non. Attends. Si, la boussole, je la. Non. Je pensais que c'était un des compteurs. Ah si, elle est dans l'arbre, la boussole. Oui. Tu l'avais vu, Jadou? Oui. Ah oui. Bien joué. Vas-y, on fait des pierres de coups, là. Blam. Ok. Ah, les bâtards. Compass, c'est bien une boussole aussi, non? Attends, re-rentre. Qu'est-ce qui peut servir de compass? C'est quoi une compass? Corail. Bah pour moi, compass, c'était une boussole. Je sors. Attends, pomme de pin, elle est où cette pomme de pin? Elle va se prendre deux pains, cette pomme. Ah, ce serait pas la noire. Non, voilà. Non, bah vas-y, change la pomme de pin. Trouve pas. Change. Qu'est-ce qu'il propose de plus? Un perroquet. Il y a un perroquet dans ce tableau.
Mais on peut passer donc. Non, on passe. Attends, mais regarde un minimum quand même. Je vois pas de perroquet, moi. Bon, bah, ici, vous envoyez un. Pousse-toi. Sors de là. Vas-y, papa, le truc bleu là vers les arbres, ce serait pas la moufle qu'on cherche. Mais on cherche pas de moufle, Jadot. On cherche un perroquet, trouvé. Une boussole ou du corail. La boussole, on la voit bien. Il dit que la boussole, on la voit bien, Skaga. Attends, elle est où la boussole? C'est sûr, c'est une banane. Ah! C'est une boussole, ça, des quoi? Regarde, ils ont écrit quelque chose pour tablette et... C'était il y a 3 minutes. Bon, d'accord, vas-y, laisse tomber. Clique sur, sur parotte, là. On va changer, parce que le perroquet, on trouve pas. Parotte? Pacifique. Alors, la sucette. On l'a vu, la sucette. Ouais. Pacify. Non, une sucette pour enfants. Ah oui, ouais, c'est bien. Ok. Clothes pin. Clothes pin. C'est une épingle. Je sais pas quoi. Pas facile ces mots composés à traduire. C'est quoi? J'en ai plus, oh, une pince. Ah, bah voilà, c'est ça. Bien joué. Pince à linge. Clothes pin, ok. Ouais. Une trompette. Une trompette. Trouvé. Non, attends. Ah, ça doit être un matériel. Compass, ça peut être un truc de marine, non, genre sextant. Ah, ça, le sexe qui se tend, c'est vraiment un truc dont tu rêves, toi, genre fixe, c'est clair. Ça ne m'étonne pas que tu sois au courant. Une trompette. moi, je pense que je l'ai trouvé. Une trompette du corail. Moi je pense que je l'ai trouvé. Ouh. Ah bah oui, faut que tu nous dises où, Jadou, parce que c'est bien beau de dire. Une note de musique. Ah, j'ai trouvé le corail. Dans l'arbre rose. Tout en haut à gauche. Ah oui, bravo. Tu vois, des fois quand tu prends un peu de recul sur le. C'est quoi un pipe? Une pipe. On va demander à Amanda, elle pourrait t'expliquer. C'est quoi une pipe, Amanda? Papa sait rien, il connaît rien. Une pipe, tu sais pas ce que c'est une pipe? Bah non. C'est le truc qui se fume là, Sherlock Holmes il fume la pipe. C'est à côté des marches là, à côté de l'escalier là. Tu vois, regarde, le truc en bois là, voilà, c'est ça une pipe. T'as jamais vu une pipe? Tu connais pas? Bah si. Chaise. C'est 30 balles. Cheese, c'est du fromage. Ça va gros poulet? J'ai trouvé. Ah oui, bien joué. Chocolat. Oh, chocolat, je l'ai vu, le chocolat. Ah, oui, moi aussi, je l'ai vu. Cherche bien, Jacques. Ouais, bah, aidez-moi. Hein. Il était, je pense... Il est sur le camion, le chocolat, au-dessus du bidon d'essence vert. Ah. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est là. Trop bon, chocolat. Un thermomètre. Ah, je l'ai vu, le thermomètre. Ah oui, facile, le thermomètre. Là. Je te jure. Mais dis, à côté, donne plus d'infos, Jadou. Mais à côté de quoi? Tu dis devant le camion, Jadou. Devant. À l'avant du camion. Voilà. À l'avant du camion. Le thermomètre, Célia. À l'avant du camion. Mais. Ah oui. Ok. Bowling pin. Bowling pin. C'est une bowling. Bowling, oui, mais pin. Ah, j'ai trouvé. Bowling pin. Ah oui, j'ai trouvé. Ah oui, bien vu. Mais oui, une quille de bowling, je suis bête. Franche frites. Des frites. Ah, trouvé. T'es sûr que c'est là? Ah, là, des frites. Explique, donne plus d'infos, Jadou. Allez, les go. Oh, voilà les frites. Ouais. Cork. C'est quoi? Cork. Je sais plus ce que c'est, cork. Amanda, c'est quoi, cork? Non, mais Amanda, elle est partie. Demande à Mimil. Mimil, il a le traducteur. Cork. Mimil, c'est quoi, cork? Pas besoin de parler juste devant le micro, il t'entend très bien. Une trompette, une boussole. On va bien les trouver, ces trucs-là. Trompette, boussole. Il a dit encore, on la voit à moitié. Un bouchon. Une cork, c'est un bouchon. Un bouchon. Ah, un bouchon. Ok, je me rappelais pas.
Ah bah oui, bah voilà. Sur les marches, c'est bien, le bouchon en liège. Ah oui. Ok. Qu'on passe. Alors, vu le temps qu'on passe à chercher ce qu'on passe... Qu'on passe donc une boussole et une trompette. Quoi, trompette trouvée? Ah bah bien ça. Et bah voilà, c'était ça que je voulais pas vous dire parce qu'après c'est trop facile. Ah oui, qu'on d'accord. Passe, ah oui. Qu'on passe, ah, non, c'est juste parce que j'ai trouvé. Non, c'est juste. T'es une grosse mytho. Mais non, mais si j'avais trouvé la trompette avant toi. Et bah pourquoi tu nous l'as pas dit? Bah oui. Mais parce que j'ai pas envie de vous dire. Ah ouais, bah t'es sympa toi. Donc tu fais pas partie de l'équipe. Quoi déjà? Mais après c'est trop facile. D'accord. C'est salut quoi, Romo. Il y a Romo qui vous dit bonjour les filles. Salut. C'est Robo. Tu peux recadrer ta cam pour qu'on voit les stars du stream. Bah j'ai. Salut Robo. Recadrer la cam c'est compliqué. Mais papa, c'est quoi papa? Sinon je mets carré. Non, c'est compliqué. J'ai essayé de brancher la deuxième cam mais elle marche pas. Enfin, je mets carré. Attends. Regardons quand même une petite dernière fois parce que maintenant on sait qu'on a juste à se concentrer là-dessus. Donc on ne cherche rien d'autre que la boussole. On cherche de partout. La boussole. Une boussole. Parce que... Alors, le camion. C'est dommage, t'étais pas là au bon moment. On cherchait une pipe, alors forcément on te demandait pour des détails. Oh, il y a un truc de fâcheux. Compass. J'en fais deux. Attends. Ils ont dû planquer d'une manière. Bon, on est carré parce que là. Non, attends, rentre dans le camion pour voir. Concentrons-nous. C'est quoi déjà? Une boussole. Clique, tu vois le volant là, il y a quatre petits cadrans blancs là. Clique sur celui qui est en bas à gauche. Lui petit... le petit cadran, voilà celui-là. Non. Bah carré hein. Attends, avant d'abandonner comme ça là, comme une truffe. Oh. On cherche d'abord. Ah. Il va nous sortir la soluce, on va pleurer. Oh. Compass. Mais je me demande si c'est pas buggé en fait, parce que le compass on l'a trouvé. Hein. Bon, sors de là et appuie sur carré. Compass. Ok, va à l'intérieur. Donc il est là, le compass. Il est là, le compass. Compass, c'est aussi un compas. Ah. Un compas, c'est quoi un compas? Bah, un compas, ce que tu utilises à l'école pour tracer des ronds. Ah oui. Clique sur le truc noir, ah mais c'est ça en fait, le truc noir au-dessous du rétroviseur, tu sais l'espèce de petit bonhomme là. J'ai cru que c'était un robot mais en fait ça doit être un compas ça, ouais, clique sur le truc, non ça c'est une araignée Célia, voilà, clique, ah, oh. Gauche. Ok. Test un jeu, enfin vu que... Quelqu'un peut faire un uptime que je vois combien de temps on en est? La boule d'ol. La boutole. Ah ok, on va pouvoir switcher de jeu. Allez, donne. Est-ce qu'il y a un jeu? T'as arrêté de mettre le casque toi. T'entendais plus le son. Bon mais après le son on s'en fout. Bon, je change de jeu. Je reviens tout de suite sur le même style mais... Je vais mettre le casque. Non, j'adore, je mets pas le casque. Ça. Papa, est-ce que ça va être le même jeu celui qu'on va jouer? Ça t'intéresse pas, c'est ça? Non, mais est-ce que ça va être le même jeu? Ça va être presque le même jeu. Ok, je joue. Allez, à tout de suite, je reviens. Moi, je joue. Ciao.